Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur White Day, bien sûr. Oui, c'était le moment tragique où il faut faire 300 millions de trucs, dont retrouver toutes ces photos avec une indication aussi vague que l'étage et le nombre. En plus, ce que je me suis dit, c'est que là, les trois photos que j'ai, je ne sais même pas où je les ai ramassés, je ne sais plus où je les ai ramassés. Du coup, je vais peut-être chercher dans le nouveau bâtiment premier étage pendant 20 minutes, alors qu'en fait, il n'y aura rien du tout dedans. Oh. Ah oui, ils disent aussi... Salle 3-5 l'avait volé, je sais pas quoi. Pff, une batterie. Ouais, parce qu'ils disent aussi un autre truc, c'est que lors de la cinématique, et ça, j'ai revu ça au montage de l'épisode précédent, c'est que la meuf dit « Oh, retrouve-moi la salle de... » À la salle de je sais plus quoi, d'ailleurs. À la salle de musique. Est-ce que je peux remonter par là déjà? Ouais, il y a une musique là. C'est un personnage qui peut pas courir, c'est fou. Chaque fois je culpabilise de courir dans ce jeu. C'est un peu relou comme couloir, les étudiants. Les pauvres étudiants. Salle de musique. Bah oui, parce qu'il y a ça encore, hein. Et ça, je sais pas à quoi ça sert, hein. Ah bah oui. Allez, ça fonce sur moi, là! Patate! Bah oui, bien sûr. Oula, attention. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, le fantôme de mes deux! Ah, ça y est, mon type n'en peut plus. Fort heureusement, elle a abandonné. Bon bah ça veut dire que du coup il faut juste retrouver les photos, c'est tout hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors aller dans le truc 3-5. Mais c'est très loin. Pour trouver la batterie de je sais pas quoi. Non mais alors franchement là je veux pas vous cacher un petit peu que... Je veux pas... Non mais c'est une blague. On n'est pas tranquille deux minutes. Non mais est-ce qu'il est possible de jouer monsieur sans être... harcelé par... Bon, écoutez, on va aller dans la salle 3-5. J'en peux plus, on peut pas courir. L'école fait 500 millions de kilomètres. Et on ne peut pas courir plus de 2 minutes. Et donc, je disais que je ne me sens pas de chercher dans tout le jeu des photos de Polaroid. Ridiculement petite. Avec pas plus d'indications qu'un étage entier. Ah, et puis lui, il est là, bien sûr. Ah, j'allais dire. S'il arrive à ouvrir la porte, il y a un petit foutage de gueule, mais ça va. Regardez la salle 3-5. Être normalement donc au troisième, n'est-ce pas? Ah non. La musique qui s'arrête d'un coup. 3-6. 3-5. Oh! Ah, bon, au moins il se passe quelque chose. Au moins on... Qu'est-ce qu'il y a? Poser un truc? Eh hey, mon pote, j'ai faim, tu peux m'apporter un repas à emporter à la cafétéria si tu n'as pas d'argent, tu peux me rapporter quelque chose en douce. Allez, faut que j'aille à la cafette. Mais foutage de gueule! C'est n'importe quoi ce jeu! Non mais comment j'aurais pu ne pas me faire trouver quoi? L'IA me dépasse. En fait, j'ai un espoir. Vous savez, j'ai un truc au fond de moi qui espère secrètement que les photos à récolter, c'est pour un bonus.
voyez, pas pour la suite de l'histoire. Genre juste pour, je sais pas, débloquer une fin. Non mais vous allez me dire, ça c'est juste pas possible. Il est au-dessus de moi, il est au-dessus de moi, il est au-dessus de moi. C'est où la cafette? C'est là? Bah c'est pas la cafette, c'est là, la cafette. Ah, oh, clé de la boîte. Oh, mais on s'en fout, ça sert à rien ces trucs. Discuteur automatique d'école est tombé en panne, les services. Salle de distributeur automatique située au troisième étage du nouveau bâtiment. Non mais c'est pas possible. C'est sérieusement une blague sérieuse. Mince, j'ai raté, désolé. C'est quoi ça? Un repas emporté. Bah voilà. Ça sert à rien de pleurer. Un petit repas emporté, c'est bon là, non? Oh, ça va. Allez, pleure pas, j'ai des noodles. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Jetons? Quoi? Tu m'as apporté un repas emporté, mais rien à boire? Ah bah c'est la cafette, c'est le truc du troisième étage. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Ouais, un jeton. Un jeton du lycée. Distributeur automatique. Oh là, bah c'est au troisième du coup. Allez, je crois que j'ai mis les voix en... J'ai pensé pour une fois. J'ai mis les voix en coréen. Attends de briser le line of sight. Je brise pas du tout le line of sight là. Mais n'importe quoi! Regardez-le là. Croix 2 à l'heure. Il fait des pas 20 fois trop petit ou trop grand pour son truc. Ah bah c'est bon, il m'a oublié. Je voulais aller où déjà? Ah oui, troisième. Je pense qu'il me voit pas à travers les vitres. Est-ce qu'on ferait pas un essai? Juste pour voir si on nous voit à travers les vitres. Oui. Ah pardon, je... La canette de café. Il rentre dans des salles random. Oula. C'est pas là! C'était juste, hein. Oh non, mais c'est pas. C'est une blague ou quoi? Je vais la reprendre. Tu vois qu'il y a un côté que je suis mis en cachette. D'abord, va chercher cicatrice que j'ai cachée près du barrière. De barrière sur le toit. Mais c'est une blague! C'est pas possible de faire un. Oh, bon sang, près de la barrière. Oh là là. J'en peux plus! C'est sérieux, quoi. Ça fait vraiment genre les devs ont designé cette école. Et ils se sont dit, ah là là. Faut vraiment rentabiliser l'endroit. On va mettre des objets un peu partout. Pourquoi c'est pas des doubles escaliers ici? Histoire que bah, le joueur court partout, en fait, et rentabilise le jeu. Allez, tu vas en haut. Ah bah, faut aller en bas. Tu vas en bas, bah, faut retourner en haut, en fait. Et une fois que t'es en haut, ah bah, hey, maintenant, faut revenir en bas. Au secours! Ah bah oui, évidemment. Ouais, ça c'est la mécanique de trop, ça. T'es dedans, là? C'est vrai que j'avais fouillé en vitesse, je crois que j'étais poursuivi ou je sais pas quoi, là. Près du toit, hein. Ah. Oh, mais c'est ça, un paquet de cigarettes. Fumez-tu, hein, ne l'oubliez pas. Y'a un autre... Oh, oh! Oh, c'est une autre vieille clé, on s'en fout. Regardez quand on marche, la vitesse, quoi. C'est vraiment... pépère, hein. C'est... aucun effort, hein, pour essayer d'aller vite.
Il est sérieusement en train de monter 50 étages, là? Et tout est fermé à cet étage, hein. Ah, c'est bon, il est en dessous de moi. Mais il est obligé, puisqu'il doit faire le tour. C'est la galère, parce qu'en fait, là... Je peux entrer dans aucune salle, ici. En fait, je suis mort. À part attendre qu'il me repère et le semer, je suis fichu. Ou alors là, faudrait qu'il fasse un demi-tour. Non, bah, je suis fichu. Non, mais si je meurs maintenant, si je meurs maintenant, là, c'est... Aïe. Je me suis bien reposé avant de courir. Ma technique là. Qui cette fois n'a pas marché. Pour une raison que j'ignore. Pourquoi ça marche pas cette fois là? Allez JPP. Mais c'est impossible! Voilà, mon mec commence à mourir. C'est censé être là, hein. Je suis dans la 3-5. Y a plus le fantôme. Au moment où j'achète sa canette, enfin ses cigarettes, il se barre. Je suis ravi. Bah oui, il est plus là. Ah si. Voilà, c'est cool hein. C'est bugué ou... Bon ben... Non mais... Non mais ça fait 2 minutes que je tourne en rond dans la pièce. En mode j'ai raté un truc. Alors que non. Oula. J'ai gagné une sauvegarde. Ok. Super, et je fais quoi maintenant? Oui, bah maintenant, voilà, on sait ce qui reste. Hein. Ah, la batterie! Oh, punaise! JPP! Ah là, ils ont bien compris l'essence du premier jeu. En tout cas, du truc le plus relou du premier jeu, qui était... Ah c'est vrai, il y a ça là, les lunettes. Ils ont vraiment mis du Duracell quoi. Du Duracell. Étage du dessus. Ah ouais. Waouh, mon dieu du progrès. La musique qui s'arrête direct. Allez, yes. Clé du siège du piano. Ah, j'ai refait la clé supplémentaire du piano au club de cultisme. Oh, merci. Pourquoi on n'a pas ça ailleurs? Non mais c'est vrai. C'est genre quand vous trouvez la clé que vous avez le même book. Eh hey, mais c'est là. Et ça revient à ce que disait Bidule. On allait se retrouver à la salle du piano. Bien, alors est-ce qu'on va se faire encore sauter dessus? C'est pas là. Par le fantôme pendant... Oula. Une photo du club, alors là. Oula. 역시 내 예상이 맞았어. Ça, c'est mieux que les voix anglaises. Comme je m'y attendais. Ah, c'est juste ça, d'accord. C'est la cinématique, c'est une phrase. La clé du couloir. La clé du couloir du quatrième étage. Le passage situé au quatrième étage du bâtiment 2. Bâtiment 2. Quatrième étage, passage. Alors c'est quoi le bâtiment 2 en vrai? Ah bah est-ce que ce serait ce qu'il y a là qui est fermé en fait?
Ça veut dire qu'on va devoir encore une fois traverser le jeu. J'adore traverser le jeu 370 fois. Parce que du coup, le bâtiment 1, c'était ça. Mais ça, c'est le bâtiment 2. Et ça, le bâtiment 2. Ça, c'est une extension du bâtiment 1. C'est le bâtiment 1.5. Donc ça, ce serait le bâtiment 2. Écoutez, je vais bien essayer. Hein. Parce que sinon... Sinon, là, c'est le bâtiment 2. On a juste à monter au quatrième. On pourra tester. Là, je suis au combien? Je suis au 3F. On va voir si c'est là ou pas. Et puis voilà. Genre là. Bah non, c'est pas là vu que c'est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Non, bon bah voilà. On sait où on doit aller. Je crois que je préfère le fantôme au janitor en vrai. Les jeux parfois d'horreur, ils tombent un peu trop dans le... Obtenir un truc à un endroit A pour retourner à l'endroit B afin d'aller à l'endroit C. C'est que des MacGuffins en fait. Genre y'a rien de vraiment important pour l'histoire. On s'en fout de ce que vous allez chercher. C'est juste histoire de vous faire marcher dans le jeu. C'est... N'importe quel objet est un prétexte à vous faire marcher dans le jeu. J'aime bien à chaque fois il y a la musique comme si je découvrais l'endroit. Waouh. Non. C'est juste pas possible là, on est d'accord quand même. What? Oh bah, je comprends rien à cette intelligence artificielle. Non mais la meuf a des yeux à la place des pieds déjà. Et quand elle arrive à l'endroit où elle m'a vu, eh ben elle y va pas. Donc j'ose espérer que c'est ça. C'est pas du tout ça! Attendez, j'ai un truc jaune. Mais j'ai fait tout ça pour rien. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que ça a où cette clé? Bâtiment 2, quatrième étage, passage. Bah, je suis au quatrième étage du bâtiment 2. Je vais pas me faire dire que c'est le bâtiment 2, hein, je peux pas le croire. Ah mais on a jamais été dans le petit auditorium et tout. Non? Oh! Si ça se trouve, c'est juste ce qu'il y a là. C'est sûr que j'ai fait tout ça pour rien. Bon, obligé d'attendre qu'elle fasse le tour entier de l'étage. Ah, si vous prenez une photo de traversée avec elle, vous bloquerez ses déplacements? Ah, mais... Genre, on m'a jamais annoncé ça, hein, mais... J'ai attrapé 500 appareils photo depuis le début du jeu, et c'est la première fois qu'on me dit ça. Genre là, on est au quatrième. Mais là c'est ouvert, donc ça veut dire que c'est là-bas au bout. Tiens, oh, je l'avais déjà ouvert celle-là. Genre, ouais, les doubles portes là, c'est ça que j'ouvre. Non, je ne comprends pas où je dois aller. Vous allez me dire, je suis pas au quatrième, je suis au troisième. C'est pas faux. C'est pas faux. Je trouve que le premier jeu portait bien son nom, vous savez, à Labyrinthe Name School. Oui, c'était vraiment un labyrinthe. Attendre que monsieur reprenne son souffle. Enfin madame. Oui bah pareil c'est ouvert. Là vous êtes en train de me faire croire qu'il y a encore une porte au bout. Que là c'est ouvert. Enfin que je peux l'ouvrir maintenant. Ah! Oh oui c'est ça. Oh. Bien sûr aucune sauvegarde hein, ce serait bien trop simple. Oh mais putain, il faut un saut. Ah, moi je l'ai déjà. Oh la poule. Oh bah là aussi. Oh, je l'ai aussi. Ok. En fait, je suis jamais venu ici, c'est ça? En réalité, c'est la première fois que nous sommes ici. Peut-être. On va vite voir si on est jamais venu là. Hein. Je vais juste trigger une sauvegarde en vrai. Imaginez, on a débloqué cet étage juste pour trouver des photos. Ce serait horrible.
Bâtiment 2. Non, il n'y a rien au quatrième. Bon, ça va. C'est-à-dire que je suis pas obligé de me faire chier à chercher des photos, déjà. Oh, bah, bien évidemment, bien sûr. Ouais, encore un saut, là-bas. Bah, je les ai tous, maintenant, je crois. Hein. Ah, bah, ça, je pouvais pas venir ici, en fait. Wow! Mais je suis quoi maintenant? Pourquoi? Ça sert à quoi de débloquer toute cette section du jeu, monsieur? Petit auditorium, bah c'est fermé. Voilà, c'est super, hein. Club de théâtre. En fait, tout est fermé. Tout est fermé, je n'ai rien gagné à venir ici, à faire tout ça. Ah. Clé de la boîte, on s'en fout, mon sang, mais j'en peux plus. On cherche pendant 20 minutes des items et quand tu trouves un truc, c'est une vieille clé qui sert à rien. C'est quoi mon objectif, là? Enquêtons dans la bibliothèque du bâtiment 1. Quoi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi d'un coup, je dois enquêter dans la bibliothèque du bâtiment 1? Ah, ou alors c'est un rapport avec la note que j'ai ramassée. Tiens, mais c'est vrai, on a lu ça. Mais non, j'ai confié la clé supplémentaire. Mais non. Ah, mais c'est ça! Bah, regardez ça. Ah, j'ai vu le principal rôder autour de la bibliothèque du troisième étage du bâtiment 1 qui est fermé. Ah, bah voilà. Bibliothèque censée être là. Ah, mais je suis jamais venu ici. Ah, mais oui, je suis jamais venu là, dis-donc. Le bruit, quoi. Oh. Alors, attendez, je dirai après parce que j'ai toujours peur de pas être dans... un truc. Y'a rien dans cet endroit là. Une photo, mais c'est une blague. J'ai fait tout ça pour une photo. C'est vrai. Bon attends, je dirais... Attends, je joue du toit maintenant. Je dirais après. C'est quoi ça? Oula. Ah, c'est la scène. Lui c'est Jésus, il est là, non? Il est au milieu, paf. Ça c'est un bout de table, ça doit être à gauche. Il doit y avoir un autre bout de table, non? Là, tac. Ah oui, elle est penchée à gauche. Oh là, c'est bien. C'est pas trop mal. Voilà. Tout ça pour une note. Oh. Je suis en train de faire un peu de 있지. 그거 알아? 너가 만든 사신증들 지금 유력화되고 있다? 확인해봐야 하지 않을까? Sauvegarde. Eh ben j'en profitais pour arrêter là. Ah mince, elle a dit quoi? Allez voir où? Mince, bon je reverrai pendant le montage. What? Ah je peux, d'accord. On va juste lire 3 secondes les notes qu'on a ramassées depuis le début, là. Le rituel de réveil nécessite un corps physique compatible. La fréquence de l'âme vivante et celle du corps doivent être alignées. Si elles ne correspondent pas, le corps mourra. La découverte d'un corps compatible a pris du temps, un temps considérable cette fois. Nous ne nous contenterons pas de faire revivre l'âme dans le bon corps, mais nous restaurerons notre gloire dans toute sa splendeur. Je n'aime pas voir des livres abandonnés, ils sont tous assez bons pour être lus. C'est bien qu'on ait une nouvelle bibliothèque dans le nouveau bâtiment, mais fallait-il pour autant oublier les livres de l'ancienne bibliothèque? C'est douloureux pour un bibliophile comme moi. C'est pour ça que je viens souvent, mais j'ai l'impression que quelque chose se cache ici. Plus je viens ici, plus je ressens une présence. Cette étagère dans le coin le plus sombre est particulièrement suspecte. Plus je la vois, plus je me dis qu'elle n'a rien à faire là. Oui, bon, du coup, on sait de quoi ça parle. Lorsque le désir d'un mort de tuer quelqu'un dont il veut se venger se concentre, un phénomène se produit. Une marque apparaît et la porte est bloquée. Une fois que la marque a été déchiffrée... Après avoir essayé plusieurs méthodes, ils ont découvert qu'ils pouvaient éliminer la marque avec une amulette qui recelait de l'énergie maléfique. C'est l'idée de combattre le feu par le feu. Utiliser un mal pour en éliminer un autre. Le feu par le feu. Allons voir la barrière. C'est l'objectif. Ouais, mais... où? On parle de quelle barrière, en fait? Ah, peut-être du quatrième étage. Bon, on verra ça la prochaine fois. Voilà, donc rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien plus!